ont été touchés par de violents orages. Dans la commune de Bosco, la brusque montée des eaux a pris plusieurs automobilistes par surprise. Wow, 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 wow. Putain. Oh mon Dieu. Oh. Maman. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu cries comme ça? Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Dieu? Tu t'es fait piquer par une araignée? C'est ta faute, ça, maman. Ça, c'est ta faute. Si tu m'avais pas forcé hier à manger ton gâteau aux trois chocolats qui, pour info, était pas aussi bon que d'habitude, mon corps, que dis-je, mon métabolisme, n'aurait pas exprimé son mécontentement via la création de ce qui va sûrement ruiner ma carrière au lycée, plus connu sous le nom de bouton. Alors, je t'en supplie, pour une fois, à défaut de me gâcher la vie, là, il faut que tu la sauves. Tu pourras dire à tes amis que tu t'es converti au bouddhisme. Sinon, je peux te faire une rougeole. Dehors. Get out of my way. Ça va, toi? Tout roule comme tu veux dans ta vie. Tu voudrais pas me raconter des trucs qui te tracassent? Tu sais, je suis ton père, tu peux me dire ce que tu veux, tu sais, fiston. Ce qui t'arrive, Paps? J'ai cru dans un téléfilm américain, là, quoi? Depuis quand tu m'appelles fiston? Je voudrais te parler de ton bouton, ta mère m'a raconté. Oh, ça va, lâchez-moi un peu avec ça. C'est qu'un bouton, hein. Il va grossir, blanchir, puis exploser. Hasta la vista, le bouton, eh. Bah, la vista, c'est que le début, quand même, hein. Tu sais, si je suis là, Adam, c'est pour te soutenir dans ce que tu vas endurer ces prochaines années. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Bah, si tu veux, moi, à l'époque, on m'appelait la calculette. Oh, ça a commencé comme toi, hein, mais ça a vachement vite empiré, très vite, mais ça a arrêté net. Bon, bah alors, pourquoi tu me prends la tête, là? Je suis en train de jouer. Ouais, enfin, à l'âge de 30 ans, quoi, quand t'es né. Quoi? Oh. C'est une blague, Paps, ou quoi, là? Tu sais, tu peux me le dire si je suis adopté, hein. Vas-y, dis-le-moi, tu sais, je suis prêt à l'entendre. Ok, je suis adopté. Bon, comment te dire, si tu veux, c'est que le début quand même de la transformation de ton corps, hein, et comme tu es mon fils, la chair de ma chair, attends-toi à changer. Mais non, mais elle va bien changer quand même. Vas-y, n'importe quoi. De toute façon, tout le monde dit que je tiens plus de maman que de toi. T'aurais pas pris un peu de bite, toi? Bite, oh, moche. Salut Adam, qu'est-ce que tu t'es fait au front? T'as un bouton? Oh, ça, laisse tomber, ça va toi? Bah raconte, il t'est arrivé quoi? T'as essayé de te raser le front? Bon, ok, en fait, j'aime pas trop raconter ma vie, mais puisque t'insistes, je sais pas si t'es au courant, mais le soir, je travaille au Liberties. Ah bon? Ouais, tu sais, un petit bar. Ouais, je mixe un peu, j'ambiance, détente, je fais le DJ, quoi, tu vois, c'est un petit job d'étudiant. En général, je mets un CD, bah les gens les kiffent, un autre CD, les gens les re-kiffent. Et hier, c'est ce qui s'est passé, je mets un premier CD, là, il y a deux mecs d'un coup, des tarés, tu vois, qui rentrent avec des cagoules et une matraque qui commence à tout casser dans le bar, tu vois. Moi, forcément, l'instinct, je saute par-dessus le bar, moi, je prends une bouteille pour m'en servir d'arme, et là, j'arrive vers un, tu vois. Le problème, c'est qu'il m'attrapait par derrière, le lâche, il m'attrapait par derrière, tu vois. Et bah, il me met un coup de boule comme ça, tu vois. Et voilà. Mais c'est énorme. Tu t'en es tiré comment? Je dois avouer que ma ceinture noire de karaté m'a pas mal aidé, hein, tu vois, j'ai appris à encaisser les coups, quoi. Surtout pour sauver la dame, quoi. Il y avait une dame qui était dans le bar, une femme enceinte, quoi, une femme enceinte, tu vois. Donc du coup, tu vois, j'ai été vers un, et je lui ai fait un kawashigiri, tu sais. C'est la prise circulaire qu'on apprend en troisième dan. C'est le... Enfin bref, laisse tomber. Je lui ai fait ça, tu vois, et plah, je lui ai cassé la jambe. Il était là, ah, comme une mauviette. L'autre, il est parti en courant, quoi. Waouh, what a night. Ouais, c'est vrai que... On en reparle plus tard? Ouais, carrément. Bah, tu sais ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'on boit un verre après les cours. Eh ben oui, on peut dire 18h au bar du Biactol. Je suis assez...